Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à tous les véhicules neufs disponibles en 2023, accessibles à moins de 15 000 euros. Si vous cherchez à acheter une nouvelle voiture mais que vous avez un budget serré, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 voitures neuves disponibles dès 2023 à l'achat, accessibles à moins de 15 000 euros. Mais avant de présenter les modèles, c'est important de préciser les critères de cette sélection qui est non exhaustive, elle n'engage que moi. Et pour cette vidéo, j'ai utilisé les critères suivants. Bien sûr, le prix neuf doit être inférieur à 15 000 euros. La voiture doit être neuve et disponible immédiatement à l'achat. Et enfin, j'ai pris en compte le style et la qualité visuelle et mécanique. Je précise aussi que pour chaque véhicule présenté, je vous mettrai la fiche technique en description. Avant de commencer, par contre, comme d'hab, si ce n'est pas encore fait, je vous invite juste à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en bas et à mettre un like ou un dislike en bas de la vidéo, peu importe, c'est comme vous le sentez. Dacia Sandero. La voiture la plus vendue en France en 2021 n'est autre que la Dacia Sandero, la citadine polyvalente de renom de la marque low cost de Renault. Impossible de ne pas la remarquer, elle est leur modèle phare. Cette réussite incroyable s'explique grâce à la recette fameuse de Dacia, offrir des prestations à un prix mini. La citadine ne semble à première vue pas être une voiture bon marché, même la version classique qui est moins élaborée que la baroudeuse Stepway commence à séduire les gens. Pour y arriver, elle a clairement pris des inspirations des modèles généralistes en optant pour des éléments de style communs tels que les nervures sur le capot, des chromes sur la calandre et des feux à LED. Cependant, concernant l'habitacle, elle reste quand même plus discrète que ses homologues. Les matériaux choisis sont toujours très simples, à l'exception de quelques petites touches de chrome. Le design est simpliste et les couleurs sont presque inexistantes. C'est dommage. Chez Dacia, ils ont préféré se concentrer sur l'équipement, qui est maintenant bien plus riche qu'avant. Dans la version confort EcoG disponible à partir de 12 990 euros, elle comprend un support de téléphone intégré, deux prises USB, un écran 8 pouces avec la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay. Cette version présentée roule au GPL et elle plaira à votre portefeuille. Cette énergie alternative est particulièrement intéressante à une époque où le prix des énergies classiques crève le plafond. Le GPL coûte en moyenne 92 centimes du litre, soit quasiment la moitié du prix des autres carburants, de quoi largement compenser la surconsommation d'environ 25% par rapport aux énergies fossiles classiques. Mitsubishi Space Star. La rareté de ce modèle en fait un choix original qui, depuis son restylage de 2020, dispose d'une véritable personnalité. Même si elle peut sembler être un choix atypique, la Space Star est encore capable de charmer certains automobilistes. Cette transformation a également bénéficié de l'amélioration de la visibilité intérieure, avec une interface multimédia sur un écran de 7 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto encore une fois. Le freinage d'urgence autonome avec détection de piétons, l'alerte de franchissement de ligne et le passage automatique des feux de croisement au feu de route sur la version haut de gamme sont venus enrichir l'équipement de sécurité de cette voiture. Dès la finition de base, cette petite japonaise sait séduire. Grâce à sa climatisation manuelle, son lecteur CD avec port USB, le réglage électrique des rétroviseurs extérieurs et l'allumage automatique des phares et essuie-glaces. Elle possède également un coffre de 235 litres, ce qui est loin d'être ridicule, et une homologation 5 places, ce qui la distingue de certaines de ses concurrents. Avec une consommation pouvant descendre à 5,1 litres en milieu périurbain, cette citadine économique très populaire en Asie bénéficie également d'une garantie étendue à 5 ans. L'un des principaux atouts de cette voiture japonaise produite en Thaïlande reste son prix, puisqu'elle est accessible à partir de 12 990 euros. Ça en fait une option intéressante par rapport à ses autres rivales vendues sur le marché à des prix bien plus élevés. Kia Picanto. Si la version de la Picanto lancée en 2004 n'a pas marqué les esprits, la deuxième génération lancée en 2011 a prouvé que Kia pouvait répondre aux attentes des automobilistes citadins européens. Le succès de ce modèle a conforté le constructeur coréen dans ses choix et la nouvelle Picanto emprunte la même voie. Lancée en 2017, elle se positionne comme une voiture sérieuse, pratique et hautement valorisante pour sa catégorie. Elle se distingue également par ses équipements rares, voire inédits chez les citadines vendues en France, comme notamment la Renault Twingo qui est l'une de ses principales concurrentes. L'un des poids forts de ce véhicule est son espace intérieur et sa présentation. En effet, il y a une bonne aisance à l'avant, 3 places à l'arrière et il n'y a aucune tôle qui est visible à l'intérieur. Les autres ne peuvent pas forcément dire autant. Dacia Sandero Stepway. Encore le Dacia Sandero, mais version crossover cette fois. Quelle autre marque vous propose un crossover neuf aujourd'hui à moins de 20 000 euros? Cette Sandero Stepway s'affiche à 15 100 euros pour la première version, essentielle TCE de 90 chevaux. Alors oui, je sais, on est 100 euros au-dessus du budget annoncé, mais en négociant un petit peu avec le concessionnaire, vous pourrez facilement gagner 100-200 euros et descendre en dessous de la barre des 15 000 euros qu'on s'était fixé. A titre de comparaison, la 2008, qui est un crossover à peu près du même gabarit, commence à 26 570 euros, soit plus de 10 000 euros plus cher. Avec sa silhouette imposante, ses lignes droites et horizontales, sa nouvelle signature lumineuse et sa garde au sol élevée, la nouvelle Dacia Sandero Stepway propose un design totalement nouveau, tout en réaffirmant le style crossover. À l'intérieur, vous pourrez profiter d'un espace généreux et d'une présentation bien travaillée.
2022, avec encore une fois une bonne panoplie d'options. Hyundai i10. Le design de la Hyundai i10 a été revu et gagne cette fois-ci en caractère. Elle est agréable en ville et offre une conduite rassurante sur route. Son moteur de 67 chevaux est vif, mais manque quand même un peu de puissance pour les trajets hors zone urbaine. La i10 dispose de 5 places et d'un coffre modulable, ce qui peut s'avérer être pratique au quotidien. Elle est équipée de manière généreuse, elle dispose d'une planche de bord esthétique, dotée d'un bloc compteur écran rectangulaire à la façon Mercedes, qui est très réussi. Bien que les plastiques soient tous durs au toucher, leur assemblage est impeccable. En termes d'espace intérieur, cette voiture peut accueillir 5 passagers, ce qui est assez rare quand même, faut le dire, pour la catégorie des micro-citadines. La version édition 1 coûte 15 500 €, mais elle est accessible quand même à partir de 11 990 € en finition Initia. En ce qui concerne les options, cette petite voiture n'est pas avare. Elle propose dès la finition de base, qui est la finition Initia, une certaine panoplie d'options, comme le freinage d'urgence autonome à détection de piétons, l'assistance de maintien dans la voie, l'alerte de somnolence, le régulateur de vitesse et le contrôle de pression des pneumatiques. Pour le confort, elle est équipée d'une fermeture centralisée, de lève-vitre avant électrique et d'un autoradio équipé d'un port USB. Voilà les amis, j'espère que cette sélection de 5 voitures à moins de 15 000 € vous a plu. Alors à vrai dire, il y en a pas beaucoup des voitures neuves aujourd'hui sur le marché à moins de 15 000 €, mais voilà, j'ai essayé de trouver quand même des véhicules qui peuvent être accessibles assez facilement. Et dans l'ensemble, vous pouvez voir que c'est quand même des petites voitures, mais ça reste des voitures neuves qui vous permettront de faire vos trajets quotidiens, domicile, travail, et finalement c'est la première chose qu'on leur demande. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous pensez des véhicules, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un pouce bleu aussi, c'est vachement important pour le référencement, et on se retrouve vite pour une prochaine. Allez, à plus !